Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise. Nos moments d'échange et de partage avec nos invités dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale. Toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, même si aujourd'hui elle est incomplète. Bonsoir Priska. Bonsoir Prunelle, bonsoir chers spectateurs. Comment tu vas? Très bien, très bien. Télépathie vestimentaire. Yeah. ça va. On porte la même couleur. On est un peu, on a les couleurs de la Congolaise. Hein. Mm-hmm. Alors, comment était ta semaine? Quoi de neuf? Raconte un peu. Très belle semaine, mm-hmm. Avec une température un peu frileuse, hein, la saison sèche. Oui, oui, on nous commence fait du bien. Sentir ça. On sent ça. Moins de soleil, je suis contente. Et ah, même si Gracias aujourd'hui n'est pas là, oui, elle va nous manquer ce matin. Pas de citation, je suis un peu triste. Et aussi ces petites nouveautés. Hein. Oui. J'espère que tu m'en ramènes pour cette semaine. Oh oui, pour cette semaine, un peu de joie, un peu d'espoir. Et okay. Cette nouvelle nous vient du territoire de Beni. Ah, j'espère que c'est pas une nouvelle... À l'est du pays, voilà. Ça nous vient de l'hôpital de référence de Beni, justement, où l'on découvre une usine de fabrication. Depuis le week-end passé déjà, une usine de fabrication d'oxygène médical. Voilà, d'oxygène médical, ce qui nous permet... on dit que sa première production était de 14 bonbonnes d'oxygène, hein, d'oxygène médical. Donc, l'usine est montée par le gouvernement, évidemment, avec une capacité de production de 2500 litres d'oxygène, soit 50 bonbonnes d'oxygène par jour. Intéressant. Ouais, par jour. Et voilà, semble-t-il, le directeur, le médecin, général de l'hôpital va dire que que la quantité produite par l'hôpital, par cette usine nouvellement créée est suffisante et répond aux besoins de la communauté et répond aux besoins de cette zone de santé, de ce territoire pour tous les soins, etc. Mmh. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que le gouvernement se rend compte la création, la production de produits locaux ne doit pas se faire que à Kinshasa, en fait. Oui, parce qu'on remarque que tout est centré sur Kinshasa, alors que les besoins nous viennent de partout. Et notamment dans une zone qui est en proie à beaucoup de violence, à beaucoup d'agitation. Et les personnes en ont forcément besoin. Mm-hmm. Exactement, mais c'est une bonne nouvelle. Hein. Très bonne nouvelle. Quelque chose d'un point de vue médical qu'on fait nous-mêmes. C'est oui. Quand même une bonne avancée. Oui, c'est une très bonne avancée d'ailleurs. D'accord, merci Priska. Moi de mon côté, je vais quand même parler de quelque chose qui je pense que même toi ou chers téléspectateurs, vous avez sans doute remarqué l'insalubrité qui gangrène dans notre ville de Kinshasa. Ça passe pas inaperçu. C'est vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que ça devient de pire en pire. Non, bien impressionnant. Voilà, on a rien que les images, la régie va nous aider. Mais c'est vraiment pas du tout possible. Ici, je pense que c'est vers Pangabi, si je ne me trompe pas. Donc, tu as plein d'endroits comme ça. En fait, c'est partout. Tu as même en ville, même à Gombe, où on dit que oui, Gombe, c'est la commune la plus propre. Mais là, c'est n'importe quoi. Et c'est vraiment plus possible de vivre dans ce genre de conditions. Donc, et on se demande toutes les... Et puis, ça devient normal. Moi, j'ai vu une vidéo. Ça m'a choqué. Une dame qui cuisine, je crois elle faisait, je crois comment on appelle ça, les dames là qui font des petits grillages dans la route. Et elle était là normale, vraiment la poubelle. Entourée d'une poubelle. Et les gens ils sont là, on dirait que c'est devenu normal, les gens vivent avec et on s'étonne qu'il y ait autant de maladies, des microbes, la typhoïde, la malaria, mais c'est pas possible. Mm-hmm. Récemment c'est carrément une vague dans les hôpitaux. Où il n'y avait que de la typhoïde, de la malaria, et même toutes ces grippes. C'est dû aussi à la saleté et aussi à la poussière. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut vraiment une sensibilisation. Chers Congolais et Congolaises, ce n'est pas normal. Mais c'est vraiment pas du tout normal. Oui, et pour en ce qui concerne sensibilisation, en fait, on a l'impression que toutes les campagnes qui ont été faites pour assainir la ville n'aboutissent pas. Oui. Mais il faut se demander pourquoi ces campagnes n'aboutissent pas. Qu'est-ce qui ne marche pas?
Moi, je pense que c'est les mentalités. Déjà, si quelqu'un chez soi s'est rendu compte que voilà, je ne peux pas laisser ma poubelle dehors, je ne peux pas jeter une bouteille dans la route ou par terre comme ça et qu'il y a des poubelles, je pense que ça aiderait déjà. Et surtout que le, je pense que le Congolais aussi pense, se dit certainement que c'est le devoir du gouvernement, mais de l'État. Sauf que rappelons-nous que l'État, c'est toi et moi. L'État, c'est nous. L'État, c'est pas... En fait, les personnes que l'on vote, justement, on les nomme au-dessus pour faire le travail, on va dire, administratif, sauf que la salubrité concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que nos dirigeants, mais ça nous concerne nous. Parce qu'on va se le dire, eux, devant leur parcelle, c'est bien nettoyé, devant leur maison, la maison de leurs proches, ils font en sorte que ce soit bien nettoyé afin qu'ils ne soient pas atteints de certaines maladies. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, chacun doit faire sa part. Oui, regarder autour de soi, est-ce que autour de ma parcelle, est-ce qu'autour de mon église, est-ce qu'autour de là où je vends, est-ce que c'est propre? Parce que je pense qu'on a même mis à déclarer chaque week-end que ça, c'est... Comment on dit ça, Salongo, Et j'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment parce que les gens, en fait, ils se disent juste qu'on ne va pas travailler très tôt. Je pense que c'est juste ça dans la tête des gens, alors que non. Si on a mis, ça, c'est pour que voilà, peut-être de 7h à 11h, que vous puissiez avoir le temps de nettoyer autour de vous, voilà, là où vous travaillez, à la maison, je ne sais pas. Mais franchement, il faut vraiment que nous puissions rendre notre environnement propre. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Voilà, il ne faut pas oublier la salubrité, c'est question d'environnement, c'est question de santé. Et ça ne concerne pas... En fait, la pollution, ce n'est pas qu'ailleurs. La pollution, ce n'est pas qu'en Europe, tu vois. Nos eaux sont polluées. Si on voit les eaux Makelele, les Kalam, ou les petites rivières, là, elles sont polluées à cause des déchets qu'on y jette. Mais exactement. On a même eu les cas des inondations cette année, l'année passée. Les inondations. C'est dû, justement, à tous ces plastiques, pardon, et tous ces déchets, justement, qui bloquaient l'accès à l'eau d'arriver jusqu'au fleuve. Ce qui fait qu'on a eu des inondations vers le pont, comment on appelle ça, le pont Matete, là. Il y a aussi vers Saint-Doué, vers Beaumarchais, si je ne me trompe pas, vers Bralima, c'était horrible parce que tous ces déchets, justement, ne sont pas évacués. C'était pas possible. Du coup, il n'y a pas moyen. Et non seulement ça, les caniveaux. On s'est plaint des inondations à Kinshasa, mais ça fait partie, justement, de cause des inondations. Voilà. Donc, chère population, chers Congolais et Congolaises, je pense qu'il est grand temps d'arrêter de normaliser les déchets, la saleté. Voilà, tout ceci, ce n'est pas normal. Il faut qu'on trouve des mesures. Il faut nous-mêmes qu'on puisse trouver des solutions, c'est dire que voilà, je dois arrêter de jeter les déchets par terre. Il y a des poubelles, en créer. C'est le moment d'innover, chercher brûler, des solutions. Vu qu'on n'a pas encore le recyclage, il faudrait quand même brûler tous les déchets. Ensembler, savoir ensembler, tout ça. Donc vraiment, il faut qu'on arrête de tout le temps jeter, d'attendre que l'État fasse quelque chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc j'espère vraiment que chacun d'entre nous va prendre ça à cœur et va essayer de rendre moins sale son environnement, la nature, parce qu'on est en train vraiment de détruire notre nature et on va en payer les conséquences, en fait. Voilà. Alors, c'était tout pour les actualités et réalités pour ce samedi. Donc, on va commencer l'émission. Alors, comme toujours, nous débutons l'émission avec la citation du jour, mais malheureusement, aujourd'hui, vu que notre chère Gracias n'est pas là pour la citation du jour, nous allons passer, mais ne vous inquiétez pas, très bientôt, on reviendra avec nos citations. Alors, nous avons une invitée, une dame très spéciale, que je vais vous présenter tout à l'heure, avec qui nous allons débattre dans la table ronde sur les sujets du jour. Juste après, nous allons passer aux rubriques et par la suite au conseil du jour. Alors, nous passons tout de suite à l'invité que je vais présenter. Alors, nous avons avec nous une dame, comme je l'ai dit, elle est étudiante en droit, elle est en dernière année, et vous avez sans doute entendu parler d'elle il y a 2 ou 3 mois, parce qu'elle a fait quelque chose d'exceptionnel, mais je vais lui laisser en parler. Madame Déborah Sabanga, j'espère que je prononce bien. Bonsoir Déborah. Bonsoir Prunelle. Comment tu vas? Je vais bien, et vous? Oui, ça va, merci. Merci d'être passée en tout cas. Merci d'avoir accepté cette invitation à passer dans notre émission. Je vous en prie. Voilà. Donc, j'espère que tu vas t'y plaire et qu'on va passer un très bon moment et qu'on va en tirer profit de ton expérience par rapport au sujet. Alors, qui est Déborah? Comme j'ai dit, elle est étudiante en dernière année de droit public, c'est ça, à l'université de Kinshasa, donc UNIKIN.
Son parcours à l'Université de Kinshasa reste la chose qui aura marqué de manière significative sa vie. Elle va nous en dire plus sur ça. Alors, elle a représenté l'UNIKIN à deux grands concours internationaux. Le concours Charles Russo, organisé par les réseaux francophones de droit international à Bruxelles, où elle a obtenu le prix de la 6e meilleure plaidoirie. Et le concours de procès simulé devant la CPI à la Hague, c'est ça? Oui. Où elle a été finaliste et meilleure oratrice. Donc, comme je vous l'ai dit au début, vous avez sans doute dû voir le visage de Madame Déborah à la télévision parce qu'elle nous a représenté avec fierté. Donc, elle a été celle qui a gagné justement elle a gagné le concours et le procès. Et puis, elle a été meilleure oratrice. En plus, une dame face à plusieurs hommes. C'est pas une fierté, ça? Et en ce jour, depuis le 6 juin 2024, elle est ambassadrice des l'UNIKIN. Elle attend son diplôme pour embrasser la profession d'avocat. Voilà un peu. Une présentation de Déborah Samaga. Je ne sais pas si j'ai oublié quelques détails, si tu as autre chose à ajouter pour que nos chers téléspectateurs puissent prendre connaissance de toi. Merci. Bon, je crois que les grands détails, les petits détails ont peut-être été omis, mais ce n'est pas important. Le grand, ce qui est essentiel a déjà été dit. Okay. Je suis Déborah Savanga. Bon, en fait, mon nom complet, c'est Chidibi Savanga Déborah. C'est parce que les gens ont du mal à prononcer Chidibi que préfère Savanga, vu que c'est mon nom de famille. Mm-hmm. C'est assez commun entre tous mes frères et mes sœurs. Et du coup, Savanga, ça passe, c'est plus facile à prononcer. C'est plus, voilà. Je suis étudiante à l'Université de Kinshasa. Je suis en deuxième année de licence de l'ancien système. Yeah. Et je fais le droit public, précisément, oui. Depuis début mai, j'étais à Bruxelles. J'ai fait le concours de procès simulé en droit international Charles Russo. Et comme vous l'avez dit, j'ai obtenu le prix de la 6e meilleure plaidoirie sur une liste de plus de 120 plaideurs venus pratiquement de tous les quatre coins de la francophonie, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique et tout. Et ensuite, en fin mai, entre le 20 et le 25 mai, on était en Hollande, précisément à La Haye, où on a pris part au concours de procès simulé devant la CPI. Et là, l'UNIKIN a fait des efforts remarquables et considérables puisque on a fait des matchs exceptionnels qui n'étaient pas diffusés, mais bon, c'est la finale qui a été diffusée. Je crois que si on est parvenu jusqu'en finale, c'est tout simplement parce que on a fait preuve d'énormément de prouesses et tout. On a battu les universités qu'on n'aurait peut-être jamais rêvé battre, même dans l'inattendu. Mais ça s'est quand même fait parce qu'on s'est vraiment donné un travail très acharné. Yeah. Et en finale, on était contre l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. L'UNIKIN a fait ses preuves. L'UNIKIN a été deuxième meilleure équipe du concours sur une liste de pratiquement 48 universités venues aussi de toute la francophonie. Intéressant. Et l'UNIKIN a obtenu deux prix, celui de la deuxième place et celui du meilleur orateur. Bon, c'est abstrait parce qu'on ne sait pas si ça sera une fille ou un garçon pour meilleure oratrice cette fois. Ah, mais c'est intéressant, mais je suis contente. Hein. Je crois qu'on avait parlé une fois, on a fait un clin d'œil à ce que vous avez fait. C'était tellement impressionnant qu'on a voulu en parler. Ouais. Et franchement, c'est très bien. Et vous avez fait la fierté de la RDC chez les internationaux. Donc, c'est quelque chose de bien et encourageant. En tout cas, merci. C'est comme ça qu'on a tenu à t'avoir cette fois-ci pour débattre. Okay. Comme ça, on va voir le côté juridique que tu as. Voilà, donc merci. Merci Déborah pour être venue. Alors, c'est le moment de la table ronde. J'espère que tu as tes gants des box, parce qu'ici, c'est le moment des arguments, donc tu vas défendre. Aujourd'hui, tu as la chance qu'elle soit seule. notre combattante, le Palagracias. Donc, voilà, on va se battre avec les arguments. Je serai l'arbitre. Donc, je serai là pour dire, OK, ça va ou pas. Je vais mener justement ces débats lors de la table ronde. Alors, comme je l'ai dit au départ, le sujet du jour, c'est les enjeux juridiques de la protection des droits des femmes en RDC. Il faut bien qu'on en parle, les droits des femmes. Surtout qu'on est en plein, comment je dirais,
On est toujours en train de débattre sur ça. C'est un sujet qui reste très... très actuel. Voilà, très actuel, très tendu. Des fois, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de femmes qui militent justement pour qu'il y ait cette parité, qu'il y ait ces 50-50 au niveau de la loi, au niveau des droits. Donc aujourd'hui, j'ai voulu qu'on en parle, surtout qu'on a avec nous une juriste. Voilà, j'espère qu'on pourra bénéficier de ton expertise, de ce que tu sais déjà. Et nous et le public, on est là pour apprendre. Voilà, vous êtes prêts, Prisca? Ça va? C'est parti. D'accord. Alors déjà, avant de commencer, je pense qu'il faut qu'on essaye d'expliquer un peu à nos téléspectateurs, vu qu'on a du monde d'un peu partout. Ce n'est pas tout le monde qui comprend certains termes. Donc déjà, les termes juridiques. J'aimerais bien qu'on puisse définir ça avant de commencer. Tu peux commencer? Bon, pour moi, je vais dire, moi, personnellement, pour moi, je trouve que juridique, c'est tout ce qui a droit, qui a un rapport avec le droit. Après, je ne sais pas si tu peux me compléter, c'est toi l'experte ici. Bon, pas si experte que ça. Ouais. Juridique. Bon, déjà, on entend le mot juris ou juris pour ceux qui aiment prononcer selon ce qu'ils voient. Le latin. Le juris. du latin, justement. Yeah. Juridique, c'est un adjectif qualificatif qui, dont on se sert pour qualifier ce qui a trait au droit. Yeah. Mais ce qui a trait au droit en tant que corpus, en tant que corps de règles. Alors, quand on parle des aspects juridiques, on parle des aspects du droit. Ça veut dire qu'on veut faire référence au corps de règles qui a été disposé par rapport à une situation donnée. D'accord. Donc, le juridique, c'est celui-là qu'on parle. C'est ainsi qu'on parle de conseiller juridique. Bon, il est là pour vous donner des conseils par rapport à ce que le droit prévoit quant à une situation donnée. Voilà, c'est en grand cela pour le commun du mortel, de sorte qu'on se fixe tous sur la question. Voilà. Merci, en tout cas, j'espère que c'est clair. Hein. Donc, clairement dit. Voilà. Alors, je vais passer dans la... Voilà, avec la première question. Alors, quelles sont les principales lois et réglementations en RDC qui visent à protéger le droit des femmes? Vous pensez qu'il y en a? Il y en a énormément. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que c'est bien qu'on en parle sur le plateau. Que lorsqu'on commémore la journée du 8 mars, on a tendance à dire la journée des droits de la femme, la journée des droits de la femme, mais... la majorité de ces femmes-là ne savent pas quelles lois sont mises en œuvre pour qu'elles soient défendues, pour qu'elles soient préservées. Surtout qu'aujourd'hui, les cas de féminicide, on va dire les féminicides, sont les décès des femmes dans les foyers. Déjà, je trouve, ne sont pas enregistrés. On parle de la RDC, évidemment, ne sont ni enregistrés ni suivis. Hein, c'est des cas qui sont très souvent pris à la légère et qui... avec les familles, hein, c'est des cas qu'on règle en famille où la phrase mythique nous sort toujours le « kana motema ». Dans le mariage, il y a toujours des disputes, dans le mariage, il y a toujours des ça et si. Mais c'est simplement parce que ces femmes-là ne sont pas au courant des droits, hein, de leurs droits, des lois, de la loi qui les protège en fait. C'est très bien. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Et pour en citer quelques-uns, il y a la loi. Je ne sais pas si tu veux me contredire ou non. Je pense que tu vois, on a connaissance quand même. Alors, il y a la loi du 15/03 du 1er août 2015, qui est une loi qui porte sur les modalités d'application des droits de la femme et de la parité. Hein. Je survole la loi numéro 22/068 du 26 décembre 2022 qui... elle vise spécifiquement, justement, la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Notamment, il y a le code de la famille et voilà, autre instrument juridique, hein, donc la convention internationale, hein, dans les lois de la famille, voilà, je disais, qui contient des dispositions relatives au mariage, au divorce, la filiation, succession et toutes ces choses-là. Hein, il y a donc autre instrument juridique, il y a la convention internationale que je ne peux pas citer en profondeur parce qu'il y en a énormément et je souhaiterais en tout cas que, notamment puisque nous sommes la Congolaise 2.0, je pense que sur nos comptes, on va, nous allons quand même mettre en avant ces lois-là parce qu'il doit être à la connaissance de toutes. Principalement et de tous en général. Donc, voilà, des instruments politiques publics, mais notamment, il y a des défis, hein, justement,
pour la mise en œuvre et l'effectivité de ces lois-là. Notamment les violences basées sur les genres qui sont toujours là, donc la discrimination économique déjà, où les femmes ont souvent un accès limité aux ressources économiques, notamment on le voit dans les travails, hein, il y a les hommes qui gagnent plus que les femmes, même si ils ont les mêmes tâches, voilà, les mêmes tâches à faire, même s'ils ont le même poste. Il y a la participation politique des femmes qui est tout aussi moindre et tout, etc. Donc, il y en a énormément. Ça, c'est concernant la première question. Je suis... Okay. J'en ai tellement lu que j'en ai eu mal au crâne. Merci, Kiska. Voilà. Déborah, tu as quelque chose à ajouter par rapport aux principales lois et réglementations en RDC qui visent à protéger les droits des femmes? Déjà, si je peux dire quelque chose, c'est que... La principale loi, c'est la loi de 2015. Oui, c'est la loi de 2015 relative aux modalités d'application du genre et de la parité. C'est la loi de 2015. D'accord. Et cette loi contient des dispositions qui visent à lutter contre la discrimination en application de l'article 14 de la Constitution. Parce que déjà, le premier instrument juridique dont on doit servir en matière de parité, en matière d'égalité entre hommes et femmes, c'est d'abord, ça commence à partir de la Constitution. Oui. C'est la Constitution qui pose le principe de la parité et la loi qui porte sur les modalités d'application de cette disposition, c'est la loi de 2015. Mais comme... vous l'avez justement dit, il existe plusieurs autres lois qui abordent des aspects de la parité ou d'égalité de droits et de devoirs entre hommes et femmes, mais qui ne sont pas qui ne constituent pas la législation principale. Il y a par exemple le Code de la famille qui porte aussi sur ces questions-là, en ayant par exemple aboli le régime de l'incapacité de la femme mariée par le fait du mariage dans les temps passés, avant 2016, le fait qu'une femme soit mariée, elle était classée dans le rang des incapables. Bon, quand on dit incapable en droit, ça veut dire qu'elle n'a pas des aptitudes d'exercer elle-même ses propres droits. Okay. Elle doit passer par son mari qui doit l'autoriser. Et si l'homme n'autorise pas... C'est incroyable, ça. Voilà. Mais depuis 2016, le Code de la famille a été réformé. Et voilà, on est plutôt dans un régime de concertation entre hommes et femmes. Il y a égalité de droit. Et d'ailleurs, la loi de 2015 le soulève que même entre époux, il y a égalité de droit. Et à part les dispositions relatives au mariage en tant que tel, il y a aussi des dispositions relatives à la succession, où le Code de la famille a fait de la femme héritière de la deuxième catégorie, pas que de la femme, je préfère préciser, du conjoint survivant. Lorsque vous êtes dans le mariage et que l'un décède, le conjoint survivant est classé parmi les héritiers de la deuxième catégorie. C'est vrai que quand on parle de conjoint survivant, ça peut être tant l'époux que l'épouse. Mais la ratio légiste de la loi, c'est que dans notre culture congolaise, on pense que c'est toujours la femme qui est économiquement plus faible que l'homme. Et forcément, quand l'homme meurt, c'est la femme qui va se retrouver dans une position beaucoup plus désavantageuse. Parce qu'il y a la famille, tout ce qui va avec. Pour la préserver, la loi prévoit tout un ensemble de dispositions visant à protéger ses droits dans ce sens-là. Et c'est vrai, il y a récemment la loi de 2022 relative aux victimes de violences sexuelles. Mais après, la protection de la femme de manière... Il y a aussi même la loi sur les violences sexuelles de manière générale, pas seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, de manière générale. Et pas que ça, il y a aussi d'autres instruments juridiques au niveau régional et au niveau international, notamment la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Ouais. Il y a aussi le protocole 1225 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Il y a le protocole... à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative au genre et relative plutôt aux droits des femmes. Donc il y a tout un ensemble de textes qui existent, mais justement, comme vous l'avez dit, il se pose plutôt un problème de mise en application. Oui, c'est ce que même ma question venait. Vous pensez que ces mesures, ces lois-là, sont-elles effectivement appliquées et mises en œuvre sur le terrain? J'allais même poser de question, est-ce que tout ce... parce que vous avez cité pas mal de lois, mais vous pensez que c'est mis en œuvre? Où on est encore loin de ça, sur terrain.
Il y a plusieurs obstacles qui font barrage à la mise en œuvre de ces lois-là. Je vais dire, il y a déjà la norme culturelle. Oui. Hein, ce qui est l'une des premières barrières, d'ailleurs, qui met... qui empêche vraiment l'effectivité de ça, parce que jusqu'aujourd'hui... Notre culture, ça, c'est des choses des Blancs et qu'on sort. Enfin, c'est des phrases que tu entends qui sont quand même choquantes. Tu dis non. Mais attends, déjà, avant d'être femme, on est humain, donc on a les droits humains. Oui, oui, exactement. Avant être... Oui, déjà, ça, même déjà, les droits humains, vous n'arrivez pas à les respecter. Ouais. Alors, les droits de femme. Donc, les gens, ils ne comprennent pas qu'on est humain, en fait, et que... c'est, en fait, on n'a même pas besoin de demander ça. C'est en fait c'est ça tout naturel. Oui, ça, parce nous, que... ça nous appartient. Oui, et c'est même pour ça je pense qu'on revendique, parce que on n'est pas là pour demander de, aux hommes que non. Non, c'est pour les dire, on est là, vous devez respecter nos droits. Oui, parce qu'il y a une phrase justement de militante qui me revient, qui dit, je paraphrase, hein, parce que les hommes et les femmes ont les mêmes devoirs en tant qu'humains, ils doivent avoir les mêmes droits. C'est ça en fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Et d'ailleurs, quelque chose à ajouter, c'est même ça l'idée de l'égalité. L'égalité, c'est le fait d'être traité ou encore de bénéficier des mêmes droits et d'être soumis aux mêmes devoirs. Parce que l'égalité, c'est un concept beaucoup plus large que la parité. Parce que la parité est contenue dans l'égalité. La parité n'est qu'une égalité fonctionnelle. Voilà. Ça, c'est intéressant. Tandis que l'égalité est beaucoup plus large. Et c'est difficile de mettre en œuvre. Mais je ne peux pas dire qu'on est encore au point zéro. Parce que l'égalité entre hommes et femmes, la parité, prend ça quand va même de tout avance. Rien que quand on voit le gouvernement. Hier, c'était très mal vu. On pouvait même pas entendre parler d'une femme qui postule comme présidente de la République. Ça va venir d'où? Elle aura quel courage? Elle sera soutenue. C'est vrai que c'est encore assez timide en RDC, mais ça commence quand même à aller. On a une première ministre, on a eu une première présidente de l'Assemblée nationale, on a tout un ensemble de ministres qui sont des femmes. Des députés qui sont des femmes, on a des sénateurs maintenant, exactement, des directrices de cabinet, etc. Donc ça veut dire que c'est en train d'aller. C'est vrai que l'effectif est encore assez faible. Je crois qu'on est à 13-20% Oui, en fait, l'effectif est encore assez faible, mais c'est vaut mieux un début que rien. Et je pense que pour notre génération à nous, dans le futur, sûrement il y aura encore un peu plus. Donc ces dames-là qui ont milité ont ouvert la voie justement à nous. Déjà, s'il y a une première ministre femme pour ces mandats, si tout se passe bien pour elle, bah, tu sais qu'il y en aura d'autres. Exactement. Voilà. Et c'est bien parce qu'on se dira, ah ok, une femme peut gérer une république, un pays, et ça va bien se passer parce que le ministre, justement, elle vient après le président, donc c'est elle qui fait beaucoup plus de boulot. Donc, ça veut dire que, ok, on a laissé la gérance à une femme, ça s'est très bien passé. Donc, il n'y aura plus de dire que, non, la femme, c'est... Non, elle est capable. Et moi, j'aime bien ça parce que ces femmes, elles sont quand même, c'est très courageux de leur part. Elles font des efforts, elles se battent pour que nous, la future génération, justement, que lorsqu'on va arriver là, on se dira, ok, on n'a pas intérêt à... Voilà, exactement. Et puis, un autre détail, c'est que, au-delà des aspects culturels, la coutume et tout ce qui va avec, qui empêche vraiment l'émergence des droits des femmes en RDC, en particulier en Afrique en général, il y a aussi, comment je peux, je vais parler d'un déficit de cadre institutionnel. Parce que le cadre institutionnel qui a été institué par la loi de 2015, on a d'une part le Conseil national du genre et de parité. Et d'autre part, on a le comité interministériel. Ce sont des institutions qui sont instituées par la loi de 2015, mais qui n'ont jamais existé jusqu'ici. Donc, on entend déjà vers 10 ans depuis que la loi... On est en 2024, on entend vers 2025. Ça fera bientôt 10 ans que la loi est en vigueur, mais ces institutions n'ont jamais existé. Tout simplement parce qu'ils doivent être créés par décret primo ministériel. Et depuis lors, ce décret n'a jamais eu lieu. Et donc, quand on a ces institutions, la loi de 2015 précise que ce sont des institutions qui sont censées mettre en application la loi. Donc, si les institutions n'existent pas, la loi n'est pas appliquée. Oui, effectivement. Et pour ça, je pense que jusque-là, elles n'existent pas. Ça doit être, moi, je me dis... Déjà, il y a un manque de sensibilisation dans tout ça. On ne met au courant
pratiquement personne. Les lois sont votées, voilà, on dit, il y a le feu vert, vous pouvez les mettre à exécution, mais elles ne sont pas mises jusque-là, elles ne sont pas vues jusque-là, déjà presque 10 ans. Mm-hmm. Et je pense qu'il est question aussi de manque de ressources, peut-être, mm-hmm. ou simplement de corruption, parce que je pense que l'État, mais quand même, va défrayer quelque chose pour que ces institutions-là voient le jour et soient fonctionnelles. Mmh. Mais où vont ces fonds? Ouais. Que font les personnes qui sont censées mmh. faire le suivi du démarrage de ces institutions-là mmh. et qui sont censées être à la tête de ce projet? Yeah. C'est la question qu'on se pose jusqu'ici. Point d'interrogation. Et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Yeah. Donc, le manque de ressources, certainement dû à la corruption, parce qu'on va se le dire, on n'arrête pas de chanter, il y a pas assez de fonds, il y a pas assez d'argent, mais on entend quotidiennement des sommes qui se font les pires, c'est détourner, que c'est pas 1 million, mais d'où viennent ces sommes? Il y a ces sommes qui auraient pu servir à quelque chose d'utile, mais des qui sont détournées. Mais s'il n'y avait pas d'argent dans le pays, comment est-ce que le détournement Oui, c'est ça. On se dit, oui, il n'y a pas d'argent, mais entre-temps, ce qu'on voit et les sommes qui sont détournées. C'est quand même chaud, donc oula. Mais bon, on ne va pas entrer dans le détail. On n'entre pas dans les détails. Hein. Pas avoir des problèmes. Donc, il faut vraiment plus d'initiatives pour améliorer déjà sur la sensibilisation. L'effet d'en parler déjà aujourd'hui, c'est quelque chose. Il faut en parler, il faut rappeler et surtout, il faut mettre une certaine rigueur à l'application de ces législations-là. Et moi, je pense que si nous, femmes, nous devons arrêter d'attendre toujours qu'on nous donne justement ces autorisations, que voilà, on fasse ci, je pense qu'il faut qu'on se bouge un peu plus. Et puis, la grosse faiblesse, moi j'ai toujours été contre cette manière de faire, c'est de faire des droits de la femme quelque chose de spécial, uniquement le 8 mars. Oui. En fait, on s'est victimise un peu trop. Désolée, en fait, je trouve qu'il y a... En fait, ça devient comme si on était victime. Exactement. Alors que non, on n'est pas des victimes, on est justement des battantes. Je me rappelle. On doit se battre pour ça. On me disait, mais Déborah, toi, tu fais pas de poste sur les droits de la femme. J'ai dit, mais je suis désolée, je revendique rien. S'il y a un moyen pour moi de revendiquer, c'est de travailler. Et après, ils reconnaîtront... Voilà, la méritocratie. Parce qu'aujourd'hui, les femmes pensent que parce qu'on est... Parce que justement, il y a cette revendication-là que non, on doit mettre comme ça les femmes dans des prises de décision. Non, méritez vos postes. Exactement. Méritez, travaillez. Si on voit plus des femmes qui se battent, qui vraiment dans leur domaine font bien les choses... tout ça, on n'aura pas, justement, ces hommes-là vont pas douter ou vont pas commencer à dire ok. Exactement. Tu vois? Donc aujourd'hui, moi je pense qu'avec ce que fait déjà la première ministre, c'est un bon début. Donc t'as même pas besoin de douter. Je sais qu'il y aura toujours des personnes qui vont parler, mais en fait, elle se bat. Même pour les hommes, on parle. Voilà, de toute façon. Même pour les hommes, on parle. Donc moi, je pense qu'il faut juste se battre, arrêter de se dire oui, voilà, non, on n'est pas victime. Ok, je crois que les victimes, c'était vraiment il y a longtemps. Il y a très longtemps. Nous, on a trop d'opportunités, on a quand même de la chance dans beaucoup de choses. Et je pense que c'est le moment maintenant de se bouger. De se dire, ok, faisons ça. Si on donne, par exemple, en mathématiques, on trouve des femmes aussi. En ingénierie, on trouve des femmes. Il y en a partout. Voilà, il ne faut pas que ça soit juste de, non, on veut tous être dans la politique. Non, il y a plusieurs domaines où les femmes peuvent s'épanouir, peuvent émerger et apporter un plus, en fait. Moi, je pense que c'est comme ça que, voilà, s'il y a plus des femmes qui se bougent, voilà, et ouais, ça sera un mouvement où toutes ces femmes-là se rassemblent pour se dire, ok, on doit apporter un changement, ok, on doit faire ceci. Donc, je pense que... On doit faire les choses comme ça aussi. Et il faut quand même reconnaître qu'il y a des coopérations internationales qui sont quand même là pour vraiment sensibiliser. Ah, d'ailleurs, j'avais posé une question qui va dans ce sens-là, oui. qui sont vraiment là pour sensibiliser et soutenir le pays pour la mise en œuvre et l'effectivité de ces lois-là dans le pays. Ça, c'est une action que voilà que l'on reconnaît, qu'on les remercie d'ailleurs, mais il y a aussi la société civile qui produit quand même des efforts. Il n'y a pas que de négative, mais il en faut plus. Il faut beaucoup plus les mettre en lumière pour que cela soit connu de tous et soit effectif notamment. Alors Déborah, j'ai une question pour toi. Comment les systèmes juridiques congolais prend-il en compte les cas des violences faites aux femmes et comment peut-il être amélioré? Pour le cas de violences faites aux femmes, bon, je ne sais pas si je dois parler de violence au sens large, de violence sexuelle de manière précise. Bon, je pense que violence dans tout genre, je pense. Oui. En fait, là-dessus, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est que la loi de 2015, par exemple, dispose que toute personne qui va
agir en violation de la présente loi subira des sanctions prévues par les lois, la législation nationale. Yeah. Bon. Okay. Quelle violation? On ne sait pas. Yeah. Elles n'ont pas été Je pense nommées. Qu'il faut bien spécifier, en fait. Déjà, il y a une omission. Il y a un problème. C'est le problème de précision. Ouais. Bon. Après, si on dépasse le niveau de la loi et qu'on va, par exemple, dans le système judiciaire congolais, ailleurs, c'est vrai que c'est quand même assez exagéré, mais ailleurs, lorsqu'une femme se présente devant un policier et dit « Monsieur, ce monsieur m'a harcelé », mais en fait, c'est directement qu'on te prend et qu'on t'emmène, tu vas l'expliquer devant les autorités. Chez nous, par contre, non. On doute même de ce que tu On ne vous croit pas. On ne te croit pas. On ne vous croit pas. Alors là, il y a un problème. C'est qu'il y a quelqu'un ou des individus qui doivent être protégés. Ouais. Mais le système, au-delà du système juridique ou même judiciaire, le système social et culturel fait en sorte que la femme soit toujours là à ne pas, à ne pas se sortir de l'emprise de convictions coutumières ou quoi que ce soit. On ne sait pas vous croire. Mmh. Et lorsque vous avez, par exemple, sur le juge, comment allez-vous prouver un harcèlement sexuel s'il n'y a pas de preuves? Vous voyez? Et même s'il y en avait, on peut dire que ce sont des vidéos montées. Combien de fois on a vu des individus sur les réseaux qui avaient été accusés pour violences sexuelles, même à l'égard des enfants. Mais ils sont là. Plus tard, on les a libérés. Non, toi tu parles même libérés. Ils sont carrément innocentés et ils font passer tellement une image que justement la victime devient folle. C'est celle qu'on traite de folle et contre. Exactement. Et surtout, surtout quand la personne est connue. Oui, et surtout j'aimerais préciser, permettez-moi, chers téléspectateurs, de retourner dans mon dictionnaire parce qu'aujourd'hui, quand je pense que les personnes ne saisissent pas ce que c'est le harcèlement. Voilà. Ils se disent, harcèlement, c'est quoi violence, oui, on sait que c'est de la bousculade et tout, mais on se dit, mais... Parce que tu peux te plaindre. Moi, il m'est arrivé de me plaindre à des amis de harcèlement d'une personne. On me dit, non, toi aussi, t'exagères avec tes trucs de blancs. T'as déjà la société, mais comment les gens ça, avec tes trucs des blancs, je me fais harceler et je dénonce l'harcèlement. Mais non, c'est toi qui exagères. Mais pourquoi tu penses? Mais non, c'est pas du harcèlement. Voilà, non, c'est pas du harcèlement. Et tellement que ces gestes-là sont banalisés qu'aujourd'hui même, le harceleur n'est pas au courant que les actes qu'il pose sont du harcèlement. En fait, c'est devenu normal. Oui, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, je vais juste donner deux petites définitions du harcèlement. Ce sont des tourments occasionnés par d'incessantes poursuites, d'accord? D'incessantes poursuites. Donc déjà, on va prendre un exemple tout bête. Tu marches dans la rue à une certaine heure et tu as, pour une femme, et même dans la journée, tu as un monsieur, ou même la journée, et tu as un monsieur qui t'aborde. Tu ne veux pas parce qu'il faut le consentement. Tu refuses, non, je ne veux pas. Mais il insiste, il ne s'arrête pas là, il va te suivre jusqu'à un certain point où tu te sens obligé, moi ça m'est arrivé, jusqu'à ce que je me suis sentie obligée d'entrer dans un magasin pour que le monsieur arrête de me suivre, en fait. Et il était 20h, s'il vous plaît. J'ai dépassé chez moi. Je ne suis même pas... Je me suis dit, si je m'arrête, si j'entre là, avec l'insistance, parce qu'il est descendu du taxi, je suis descendue, il est parti. Je pensais qu'il était parti, il a continué sa direction parce que je ne voulais pas de cette conversation-là. Mais je remarque que le monsieur se retrouve derrière moi. Non, donc ça veut dire qu'il a coupé sa trajectoire pour me suivre. Alors, j'ai pris peur, en fait. Il était 20h, il n'y avait personne sur l'avenue. J'ai dit, ok, peut-être que c'est des idées dans ma tête quand j'ai d'avancer. Non, mais écoute, juste ton numéro. J'ai dit, écoute, monsieur, je ne veux pas. Je refuse. Tout gentiment, et je ne sais pas pourquoi vous êtes venu sur ma route. Et il y a beaucoup de malades rentrer comme chez ça. Vous. Il a continué, monsieur, j'ai vu le portail de la maison, j'ai dit, je ne m'arrête pas, j'ai continué. Je suis allée jusqu'au bout de l'avenue, j'ai vu une boutique, je suis rentrée dedans, vu que je connaissais le vendeur, j'ai fait la conversation, en fait, pour qu'il arrête de me parler et pour qu'il s'arrête. Il m'attendait à l'extérieur. Toujours. Non, il m'a attendu 30 minutes. C'est pas possible. Je te dis, il m'a attendu 30 minutes à l'extérieur jusqu'à ce qu'il ait fatigué. Il est parti, mais j'ai attendu 30 minutes de plus pour être sûre qu'il était vraiment parti. Et pour rentrer chez moi. Et ça, ce ne sont pas des comportements normaux.
C'est pas du tout normal. C'est du harcèlement. Et c'est pas possible. Et t'as des gens comme ça. Et on va dire, oui, mais maman, ça, jusqu'à la bâtière. Jusqu'à il va te violenter. Oui. Jusqu'à il te tient ça, par le bras. Non, mais oui. Si déjà, tu ça, ne veux ce pas. Ce sont des actes surtout ça, le oui, oui, je vais parler. Moi, je vais juste parler un cas des motards. J'ai rien contre vous, mes chers frères. Mais par moment, vous harcelez les gens. Oui, c'est du harcèlement. Oui, parce que tu vas voir, tu es dans l'arrêt, tu es à l'arrêt, parce qu'on prend tous les motos. Ok. Alors, tu es à l'arrêt, tu viens de descendre. C'est vrai qu'il cherche de la clientèle, oui, des fois, il faut faire un peu son marketing. Oui. Mais non, tu as quelqu'un qui te touche. Et quand tu fais, mais papa, Kossi, Mangate, oh, Teyo, Kanisinini, genre toi, tu te prends pour qui? Attends. My body, mon corps, et je me prends pour qui? Donc tu vois un peu ce genre de réaction. Et limite, hein, quand tu lui parles comme ça, après, le d'autre, il est encore couragé, il te touche encore. Pour te montrer que vraiment, tu n'as rien à faire. Je suis là, tu vas dire quoi? Vous voyez un peu, et franchement, cher motard, vous qui allez nous suivre durant ce soir, rendez-vous compte que c'est du harcèlement. On harcèle pas les clients. On parle, on aborde avec la bouche. Madame, bien vous partez sûr. Où? Ne touche pas, parce que c'est pas ta femme, c'est pas ta sœur. Même ta sœur, tu vas pas la toucher comme ça. Tu vois, c'est pas ta femme, donc respectez les clients, respectez les dames, mm-hmm. parce que c'est super gênant, ça énerve, tu vois, ça peut irriter la personne, oui. Tu vois, tu vois quelqu'un, et moi, plusieurs fois, j'ai eu franchement à me prendre la tête avec eux comme ça, parce que moi, je vais leur faire comprendre que tu n'as pas le droit de me toucher, mm-hmm. justement, le droit là-dedans, on parlait là-même, c'est ça, t'as pas le droit de toucher une femme sans consentement, ça peut être du viol. Vous pensez que les viols, c'est juste quand il y a pénétration, mais non, le viol, ça part dans tous les sens, donc le fait que tu touches quelqu'un d'une certaine manière, au cuisse, à la main, même là, ça ne se fait pas. Et donc, vraiment, c'est des choses comme ça que dans notre... Malheureusement, oui, dans notre société, notre quotidien, les gens pensent que c'est normal, vraiment. Alors que c'est très dérangeant. Et le pire, c'est que ça se fait comme chemin, ça. Il y a des policiers. Il y a des gens, et quand tu vas parler, les gens là-même sont là, mais non, ça y est, le côté. Et donc, vraiment, et dans ce cas, je viens à ma deuxième... On est un peu sensible à ce genre de choses. Oui, et dans ce cas, je viens à ma deuxième définition, justement, qui dit c'est une pression exercée de manière constante à l'encontre d'une personne. Justement, tu es insistant sur quelque chose que la personne ne veut pas. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Peu importe, que ce soit au bureau, même à l'école, les professeurs qui sont insistants, tout ça, c'est du harcèlement. Ouais. Vous harcelez la personne, vous êtes harceleur sans vous le savoir, mais il faut arrêter. Franchement, c'est des choses comme ça. Des fois, les gens, ils pensent que c'est « Oh non, vous faites des choses comme des blancs. » Non. C'est normal que la personne se sente gênée, dérangée, que tu la touches, tu l'abordes. Donc déjà, quand quelqu'un ne veut pas te dire « Non, n'insiste pas. » Moi, je me suis rendue, je crois que j'ai eu une situation où j'ai dit non à la personne. « Ah, mais c'est parce que je suis chauffeur. » Rien à voir. Parce que je suis ça. Je dis, mais attends. On n'est pas obligé. Non, non. Je suis pas obligée de te donner mon numéro. Je suis pas obligée de parler avec toi. T'es pas gentille. Mais non, je suis pas obligée. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse, mais je veux pas. Je veux pas. Donc, c'est non. Donc, faut pas forcer les femmes à dire oui là où elles veulent pas. Et des fois, les gens, il y a des femmes, elles vont dire oui juste parce que ça la gêne tellement qu'elle va dire oui. Et là, c'est pas bon. Donc, les hommes, allez doucement. C'est vraiment un changement de mentalité. Donc, c'est voilà. Incroyable. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, mais... C'est exactement ça. Je trouve déjà, il y a un problème. Pas qu'au niveau du système juridique. Non, parce que je pas trouve tout. Que quand on parle de sanctions, en cas de violation de la présente loi, l'auteur de ces violations sera soumis aux sanctions prévues par les... Mais lesquelles, en fait? On ne sait pas lesquelles. Oui. On est un peu perdu. Mais quelle violation exactement? Exact. Puisque dans la loi, il y a énormément de prescriptions. Yeah. Quand on viole quel aspect de la loi? Exactement. Et à cette violation est attachée quelle sanction? On ne sait pas. Moi, je pense qu'on doit vraiment, préciser. Exactement. Oui, comme ça, les gens savent. Donc, quand tu fais ci, il y a telle sanction. Quand tu fais exactement. Ça, parce que les gens prennent... Maintenant, les gens, ils prennent ça à la légère. Justement, parce qu'ils disent, on va me sanctionner, je fais quelle violation de loi. Ils ne sont même pas au courant. Et ça aussi, le côté n'est pas au courant. Moi, je pense que même dans... En fait, ça doit commencer à l'école. On a le cours de civisme, si je ne me trompe pas. Et je pense que ce cours... Les droits et devoirs du citoyen. Oui, je pense que ces cours est vague. C'est juste... On fait juste un peu, mais je pense que... Pendant le cours de civisme, le droit, c'est un peu comme le droit, je pense, c'est déjà un début de droit. D'ailleurs, c'est ce cours qui m'a donné envie de faire le droit. Voilà, moi, je pense que lors de ce cours, déjà en maternelle ou en première primaire, on doit déjà commencer à apprendre aux élèves c'est quoi le droit, disons. Déjà en tant que... Enfant, quel droit tu as, mais aussi en tant que quel devoir tu as, et les droits par rapport aux jeunes filles. On doit déjà commencer à apprendre ça aux jeunes enfants. Voilà, tu as droit à ça, ça, ça. C'est important parce que l'enfant, plus il avance, il monte de classe. On doit savoir qu'en première, secondaire, on peut se limiter dans telle loi. Oui. Voilà. Petit à petit, comme ça, l'enfant qui a son diplôme d'État connaît exactement ses droits. Je me rappelle d'une scène qui s'est passée dans mon quartier.
c'était quand même assez... c'était marrant, mais c'était en même temps choquant. Parce que peu importe ce que la femme, elle a fait, moi, je reste femme. Et je suis très sensible à la dignité humaine, et surtout celle de la femme particulièrement. J'étais très choquée. Apparemment, il paraîtrait qu'on avait attrapé un homme et une femme en flagrant délit dans un hôtel. Et puis, ça a bardé. On les a emmenés tous deux complètement nus. Et puis, il y avait des motards, des chauffeurs, des passants qui venaient juste tapoter sur le corps de la femme dans tous les sens. Et il y avait des gens qui filmaient. Attends, c'est l'événement là qui s'est passé. Oui, oui, oui. Et il y avait des policiers qui prenaient de l'argent pour permettre aux gens de venir voir. Non. Je me dis, mais c'est scandaleux. Venir voir le quoi? Le quoi? Oui, c'est pas un spectacle. En fait, c'était scandaleux. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis, ça se passe où? Ça se passe à la maison communale. Mais c'est énorme. C'est énorme. À la maison communale, carrément. Oui, oui, en fait, je me rends juste compte que les Congolais n'ont pas cette culture de dignité. Ils ne sont pas instruits. Ils ne sont pas sensibles. Donc, juste voir la dame là et taper les corps. Pourquoi? Oui, en fait, c'est ce qui leur faisait plaisir. Et il y avait même des femmes qui disaient « Azoui, Bakangena Hotel ». J'ai dit, mais madame, ça ne va pas. Ce qu'elle fait de sa vie. Ça ne va pas, c'est pas possible. Vous voyez, on suit le corps de la personne comme ça. On n'est pas très sensible à ce genre de choses. Oui, et on trouve ça normal. On se dit, bon, la meilleure façon de punir la femme lorsqu'elle fait quelque chose, c'est de la dénuder en public. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Attends, ils étaient vivants. C'est le cas de... Bien sûr qu'ils étaient vivants. Ah, c'est pas le cas où ils sont morts, non. Ça, c'est un autre cas. Il y a eu plusieurs cas de ce genre qui se sont succédés en un petit intervalle de temps. Et ça, c'était tout simplement choquant. Je me disais, mais c'est quelle mentalité, ça? Et puis déjà, si tu attrapes ta femme dans un hôtel, tu n'appelles pas la police, en fait. Je ne vois pas pourquoi on appelle la police. Je n'ai jamais compris ça. La police n'a rien à voir. Oui, je n'ai jamais déjà compris ça. Pourquoi? Oui. Peut-être que dans la loi, c'est un crime. Je n'en sais rien. C'est un crime. Pour les personnes mariées, l'adultère, c'est une... Oui, pour les personnes mariées, c'est une infraction. Ça, c'est vrai. Mais quand tu appelles la police, faites-les bien. Justement, voilà, il faut faire les choses dans l'ordre. Par exemple, vous êtes avec votre mari, vous surprenez votre mari, vous avez le droit d'appeler le policier. Oui. Voilà, mais quand c'est la femme, ça devient autre chose. Combien d'hommes les femmes les attrapent ici? Voilà, ça passe. Elle préfère laver le linge sale. Pas laver, mais des fois, elle va faire son scandale, mais ça ne sera pas peut-être filmé, véhiculé, tu vois. Dans le sens où l'homme. Moi, je trouve que peu importe le crime, il faut garder quand même la dignité de la personne. On n'est pas très sensible à ce genre de choses. En fait, le Congolais, ce qui est vraiment dommage avec nous, c'est que on attend les scandales, on attend les moments de faiblesse de l'autre pour vraiment, c'est bon, alors que non, déjà on doit, si on voit il y a un scandale pareil, essayer de sensibiliser pour que les autres ne puissent plus en faire. C'est pas en faisant ça que les gens vont arrêter, non. Pas du tout. Ça fait des années que ce genre de cas arrive, mais personne n'en tire le sens. Et le plus choquant, c'est qu'on s'en prenait plus à la femme. Oui, c'est ça. Justement. La femme paye toujours bien plus. On voulait vraiment beaucoup plus la punir et la sanctionner en portant atteinte ainsi à sa dignité. Et je pense que c'est à cause du droit coutumier qui est plus suivi. Les fameux droits coutumiers. Voilà, c'est un droit dans lequel la femme n'est vraiment pas prise en considération. Et puis, l'homme, peu importe ce qu'il fera, ça sera celui qui aura toujours raison. Ah, surtout dans certaines provinces. Jusqu'à ce jour. On va éviter pour éviter d'aller. On aura de problèmes, mais vraiment. Oui, mais c'est la vérité. C'est pour tu te rends compte que la femme, moi j'ai des voisins, je suis choquée des fois, mais tu vois comment ils traitent la femme, j'éviterais de citer la tribu, mais tu te dis, mais c'est pas possible. C'est un être humain ou c'est un animal? Carrément, hein, et le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'en fait, la femme elle-même, elle trouve ça normal. Oui, en fait, à force d'avoir été... Elle pensait que la femme, lorsqu'elle est bien traitée par un homme, c'est qu'on lui fait une faveur. Oui. Justement, c'est une faveur. Dommage, en fait, c'est vraiment dommage. Et t'as même des femmes qui écrivent dans les réseaux, c'est mon roi, c'est pas possible. La femme, non, il doit te traiter comme ça, c'est normal. C'est normal. Si tu es un être humain, tu dois. Il y a des femmes qui trouvent ça extra. Non. L'homme doit te traiter comme ça. Ah, t'as de la chance, ton homme. Non, c'est pas question de chance. C'est question de chance. L'homme doit bien traiter sa femme. C'est ce qu'il y a de plus normal. Voilà, c'est normal. Au contraire, quand on ne les fait pas, c'est là que ça devient pas normal. C'est là qu'il faut s'étonner. Et ce traitement, justement, vient de l'éducation que les parents donnent aux enfants. On sait que dans certaines zones, c'est le garçon est traité, le petit garçon est traité comme un prince. Il fait rien, il fait pas le ménage. Et quand tu rencontres un jeune homme
qui sait faire sa vaisselle, qui sait faire son lit, qui fait à manger, oh, qui a l'impression d'avoir rencontré un roi. Ouais. Alors que c'est un devoir en tant qu'être humain d'assainir le lieu où tu vis, de faire ta lessive, de faire ton lit, de faire le ménage et de te faire à manger, sinon tu meurs de faim. Je ne vois pas en quoi c'est extra. Moi, pour moi, un homme qui cuisine, c'est un homme normal, c'est un humain. Et les filles, j'allais demander aussi, vous pensez qu'il y a des mécanismes, des recours et des réparations mis en place justement pour ces femmes qui sont victimes des violences de leurs droits et comment peuvent-ils être renforcés? Vous pensez qu'il y a des mécanismes? Si oui, ok. Ou s'il n'y a pas, comment on peut les renforcer en fait? Bon, jusqu'ici, la plupart des mécanismes qui sont vraiment effectifs sont plutôt des mécanismes relatifs, qui visent à réparer les droits des femmes victimes de violences sexuelles. C'est moins violences sexuelles, mais beaucoup les violences de les droits et de genre, C'est assez timide. C'est assez timide. D'ailleurs, même dans la loi de 2015, il est prévu une assistance de l'État médicale, psychologique et tout ce qui va avec. C'est beaucoup plus dans ce contexte-là qu'on vient au secours des femmes victimes des violences sexuelles. Et à part cela, un autre mécanisme de réparation, c'est en cas, par exemple, de sanctions. Okay. Oui, l'auteur d'un viol, par exemple, lorsqu'il est reconnu coupable de viol, être obligé de réparer. Oui. Vous voyez, oui. La personne est obligée de réparer. Parce que en fait, dans ce genre de contentieux-là, il y a une action pénale et en même temps une action civile. Oui. Au pénal, tu as ta peine, tu as tes 20 ans de prison et tout. Mais à part les 20 ans, tu as aussi des dommages à réparer. Oui. Supposons que ce viol a laissé peut-être une maladie. Mmh. Il faut soigner ça. Yeah. Il faut indemniser la personne. Oui. Ce viol a porté atteinte à son intégrité physique. Il faut réparer ça. Donc, c'est tous ces mécanismes-là qui sont mis en place. Mmh. Mais c'est beaucoup plus en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, plus de viols, parce que les violences sexuelles sont larges. Extrêmement très large. Là, tu as raison. Non, moi, je pense que l'État devrait renforcer un peu plus, justement, les mécanismes, justement, pour permettre à ces personnes qui sont victimes des violences de tout genre, pas seulement les violences sexuelles. Je donne un exemple. Ailleurs, ils ont institué un mécanisme, il est d'ailleurs dans la loi aussi, un mécanisme visant à restaurer l'égalité entre les deux genres, mais tout en accordant un traitement préférentiel à l'autre genre. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Wow. De sorte qu'on est femme, on est bénéficiaire d'une discrimination positive, parce que lorsqu'on est en présence d'un homme, on aura toujours un traitement préférentiel par rapport à l'homme. Chez nous, c'est tout le contraire, vous voyez. Et puis, il y a tout un ensemble de choses, de violences que la femme subit, qui ne sont pas encore prises en compte. Pas seulement parce que c'est la femme, je pense, mais c'est parce que c'est dans la culture congolaise de ne pas comprendre que c'est mal. Je me rappelle, j'étais en train de me questionner, je me disais, mais est-ce que l'injure publique, c'est toujours une infraction dans ce pays? Elle n'est une infraction que quand c'est envers une autorité. Oui, c'est une infraction dans les textes. Yeah. Mais les Congolais ont normalisé le fait de s'insulter. Même les autorités, elles-mêmes le font. Des fois, quand ils passent à la télévision, tu as des cadres qui s'insultent. Vous voyez un peu. Et tu es là, malheureusement. Et quand c'est plus à l'égard de la femme, ça va dans tous les sens. Je ne vais peut-être pas le répéter demain. Non, on va pas. Dans l'émission, mais ça va dans tout le sens. Ça touche à tout. Et on veut toucher là où ça fait le plus mal, là où elle peut se sentir beaucoup plus atteinte. Elle peut se sentir mal. Et ça, c'est... On a comme l'impression que c'est normal. Mais c'est pas normal. Et l'État devait, en prenant en compte même l'application même de... Et ça se fait devant même les policiers qui sont censés... qui sont censés être des organes judiciaires pour réprimer les infractions. Mais ça, c'est pas normal. Je trouve qu'il y a un manque d'instruction. Ils ne sont pas instruits. C'est des personnes qui sont là parce qu'on remarque énormément de ces personnes qui sont censées protéger la population, qui sont eux-mêmes des acteurs de ces infractions-là. Parce qu'ils ne sont pas... Mais quelles sont les formations de ces hommes? Quelles sont les formations de ces policiers? C'est vraiment grave. Je pense que c'est un sujet vraiment très vaste.
parler des droits des femmes, les enjeux juridiques, c'est vraiment un énorme sujet. Si on commence à en parler, je crois que ça va nous prendre une semaine. Il faudrait un séminaire. Mais je pense que c'est entre femmes que ça se discute. Ah, forcément, il y a, on sent du vécu dedans. Voilà. Oui, il y a beaucoup des exemples à donner. Mais voilà, moi je pense qu'on a quand même touché quelques grandes lignes. On a essayé quand même de parler de ça. Et on ne va pas s'arrêter là, on en parlera encore un peu plus souvent. En tout cas, moi je pense qu'il faut retenir, c'est que l'État doit vraiment faire beaucoup encore plus de choses. Je sais que vous faites déjà, c'est pas assez. Mmh. Renforcer justement les lois, essayer d'être précis dans tout ce qui concerne les droits des femmes et aussi les sanctions pour ces personnes qui violent justement les droits des femmes, les victimes des viols, des harcèlements, pas seulement sexuels ou les victimes de viols à l'aide, mais il y a plusieurs sortes de violences ou d'harcèlement qui touchent atteinte à la personnalité ou à la dignité d'une personne, de la femme. Donc voilà, et qu'il faut vraiment valoriser la femme et protéger la femme. Oui. Parce que la femme, c'est celle qui donne la vie. La femme, c'est notre maman, c'est notre sœur. Donc, on a tous des frères et sœurs, on a tous des mamans. Donc, il faut justement protéger ces femmes. C'est important. On n'est pas l'être faible, comme les gens le disent. C'est vrai que, oui, on n'est pas fort comme vous, les hommes, mais on a cette force-là qui fait qu'on donne la vie. On est là, on fait beaucoup de choses. Donc, il ne faut pas négliger et minimiser la femme. Donc, vous, hommes qui êtes à la maison, mari, frère, grand frère, oncle, respectez vos femmes, toutes personnes qui sont mariées. Valoriser votre femme. Et que peu importe ce qui se passe, moi, je pense qu'il faut savoir comment régler la situation. Et qu'on est tous humains, on commettra des fautes. La même faute qu'un homme commet, une femme va commettre. C'est vrai que d'un point de vue culturel, oui, voilà, mais on ne refuse pas, mais il faut savoir bien traiter les choses. Et que nous, femmes aussi, arrêtons justement d'encourager certaines pratiques envers les autres femmes. Parce qu'il n'y a pas cette solidarité-là. Les hommes, tu ne les verras pas dans ça. Ils sont très solidaires. Mais nous, les femmes, quand il y a quelque chose, oui, notre femme, non, 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 non. Il ne faut pas encourager. C'est vrai que c'est mal ce qu'elle a fait, comme ce que tu as donné comme exemple, mais il faut essayer justement de juger, mais sans porter atteinte à la dignité de la personne. Parce que la dignité, ça ne s'achète pas. Une fois que tu la perds, c'est fini. Mmh. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est ce qu'on a, on a eu à survoler, voilà, sur ce qui concerne les enjeux juridiques. J'espère que l'État, vraiment, on insiste, faites encore plus d'efforts pour justement protéger les droits de la femme. C'est important. On a des juristes, des futurs juristes qui sont là. Je pense qu'on ne manque pas des juristes en RDC. Mm-hmm. Donc, il faut justement essayer de revoir un peu tout ceci et voilà, faciliter un peu l'accès aux droits des femmes et qu'il y ait plus de femmes qui puissent jouir de leurs droits, vous savez. Oui. Et vous aussi, les femmes, connaissez vos droits. C'est aussi un truc. Connaissez vos droits. Il ne faut pas rester là seulement, on attend que oui, on sort les droits, les lois pour nous, mais on ne sait même pas, on ne maîtrise pas. Faites des recherches. Vraiment. C'est quoi mes droits? Quels sont mes droits par rapport à ça, 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 ça? Vous qui êtes mariés, les femmes, arrêtez de rester là d'attendre. C'est quand votre mari va mourir que vous commencez à chercher vos droits. Je dois hériter de ça. Vous, les autres, les femmes, vous devez chercher. Moi, je suis la fille, mon père est mort. Je dois hériter de quoi? Non, c'est à savoir avant. Il n'y a pas qu'un héritage. Il y a bien plus que ça que nous devons savoir comme droit. Donc, allez faire des recherches. Et je pense qu'on va faire un petit challenge comme ça où on va essayer de mettre en avant, en fait, ces femmes, si on connaît vraiment nos droits. Qu'une personne au moins cite un droit qu'elle connaît concernant les droits humains et les droits des femmes. Ouais. En tout cas, je pense qu'on va mettre ça à la table ronde. Surtout, il y a une phrase qui me vient. Je me dis que la masculinité positive n'existerait pas si les droits de la femme étaient égaux à ceux de l'homme, tout simplement. C'est fou, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on jette des fleurs à la masculinité positive. Bah, c'est comme on disait, hein, si l'homme traitait correctement la femme comme un être humain, comme l'être humain qu'elle est, on n'aurait pas à jeter des fleurs sur la masculinité positive. On peut pas... Oui, exactement. En tout cas, merci. On va mettre fin à ces tables rondes. Voilà, merci Déborah pour tes interventions. Merci Prisca. Alors, on va passer au conseil du jour. Comme tu es notre invité, on va te laisser justement donner les conseils justement par rapport à ces sujets d'aujourd'hui, tout ce qu'on a eu à aborder comme thème, tout ce qui va dans le sens du droit de la femme. Quel conseil tu donneras à cette jeune fille, à cette maman, à cette femme qui te suit là maintenant, voilà, en quelques minutes, quelques secondes. Merci. Si je peux donner un conseil en ce jour à toutes les femmes qui me regardent de partout. J'ai été élevée par une femme qui a su se battre seule. Pour moi, c'est une héroïne parce que
elle ne baisse jamais les bras. Je peux la voir faible, à bout, mais elle se battait toujours. Mmh. Et c'est cette énergie qu'elle m'a toujours communiquée dans tout ce que je fais. Et je pense que toutes les femmes devraient avoir cette énergie-là dans tout ce qu'elles font. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent forcément aller à l'université. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent forcément avoir des doctorats. Je ne dis pas que toutes les femmes doivent forcément aller en politique. Mais je dis que toutes les femmes peuvent s'épanouir dans tous leurs domaines de prédilection. Mmh. Alors, dès que vous savez que votre domaine d'épanouissement est celui-ci, alors moi, je vous conseillerais de vous y investir à fond et surtout de rêver et de rêver de manière ambitieuse parce que notre pays a besoin de beaucoup de personnes qui ont énormément de projets qui puissent faire avancer ce pays. Alors, si nous, les femmes, on se replie et qu'on met en avant, en évidence d'abord nos faiblesses, je vous assure qu'on n'ira pas loin. Il n'y a pas de mal à prendre le risque et à se jeter à l'eau. Et tout ce que l'on voit autour de nous qui se constitue en barrière peut être abaissé si et seulement si on persiste dans nos objectifs. Alors moi, j'inciterai les femmes, les encourageant à travailler, les encourageant à croire en eux et aussi à continuer à militer pour leurs rêves et aussi pour l'émancipation de la femme qui est en train d'aller encore plus loin. Merci beaucoup, Déborah. Merci, chers téléspectateurs, d'être restés jusqu'à la fin, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner dans tous nos réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, La Congolaise 2.0. Suivez-nous aussi sur Congo Best TV, sur YouTube, et aussi chaque samedi et dimanche à 17h30 sur Congo Best TV et les rediffusions dans la semaine. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.